Chers amis du CELC, bonjour et bonsoir à nos auditeurs d'Europe et du Liban. À titre de présidente du CELQ, le Cercle des écrivains libanais au Québec, dédié à la culture et à l'écriture, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence santé. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le chirurgien plasticien Dr Joseph Boumari, qui se penchera sur les dangers qui guettent cet organe si précieux qu'est notre main. Bienvenue à vous parmi nous, donc, Dr Boumari. La conférence sera suivie d'une période de questions gérée par notre vice-présidente, Dr Marianne Sawan. Mais tout d'abord, et avant de commencer la conférence, je vais passer la parole à notre trésorière, Madame Jacqui Matou Aboushahla, pour la présentation de notre conférencier. Alors, je vous souhaite une bonne conférence et Jacqui, à toi. Merci, Jacqui. Au nom du CELC, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter le brillant chirurgien plasticien Dr Joseph Boumari, d'autant plus que lui et moi avons vu le jour dans le même magnifique coin de notre montagne libanaise. Entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice, on tend souvent, hélas, à oublier l'importance de cette dernière. Dans sa conférence d'aujourd'hui, Dr Boumari nous apprendra à profiter pleinement de nos activités, tout en préservant nos mains des dangers qui les guettent, et il nous décrira comment il répare une main abîmée. Le philosophe grec Anaxagore affirmait « L'homme pense parce qu'il a des mains » et il ajoutait « Nos mains sont source d'intelligence, alors fions-nous à lui et prenons-en soin. » Dr Joseph Boumari a été diplômé en médecine de l'Université de Montréal en 2003, avant d'entreprendre un programme de résidence de 5 ans en chirurgie plastique dans la même université où il a obtenu son diplôme en 2008 sur la liste d'honneur du doyen. Puis il a suivi une formation surspécialisée en microchirurgie dans la célèbre clinique Bunke de San Francisco, centre de microchirurgie affilié à UCSF, Université de Californie à San Francisco, et à l'Université de Stanford. Ses principaux intérêts de recherche sont la microchirurgie ainsi que la chirurgie du cancer du sein. D'ailleurs, il est présentement professeur agrégé de chirurgie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et il pratique à temps plein au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Il est actuellement chef de l'unité de reconstruction du sein au CHUM. Le Dr Boumari vit à Montréal avec son épouse et leurs 4 enfants. Nous allons maintenant visionner une courte vidéo d'introduction présentée par notre conférencier. Je suis Dr Joseph Boumari, je suis chirurgien plasticien et microchirurgien au CHUM. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures causées par les fendeuses à bois. Écoutez-moi bien. Le manque de coordination entre les deux personnes qui manipulent la fendeuse à bois cause la majorité des accidents. Une fendeuse à bois, elle écrase et elle coupe et elle ampute les doigts. Ce qui rend la chirurgie un peu plus compliquée, même impossible. Donc, quand vous êtes à deux, essayez d'être les deux très attentifs. Bien en forme physiquement et mentalement, pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, pas fatigué en fin de journée, mais soyez très attentifs avec une bonne coordination pour couper le bois. Lorsque l'accident arrive, ce qu'il faut faire, il faut garder le calme, appeler à l'aide pour que quelqu'un vienne vous assister. Vous allez mettre un pansement compressif avec une lingette propre. Et si jamais il y a des doigts amputés ou coupés, il faut les chercher, les mettre dans une lingette propre, humide, mettre le tout dans un sac et vous mettez le sac dans un bocal rempli d'eau et de glace. Et vous vous dirigez à l'hôpital proche de chez vous. Une fois que vous êtes stabilisé, on pourra, avec l'aide des experts ici au CHUM, vous aider à rétablir la fonction et l'anatomie de votre main. Donc, coupez le bois, mais fendez prudemment.
Donc, on avait dit que dans le temps, il y avait plus d'accidents de travail, mais il y a eu la prévention. Mais maintenant, on voit de plus en plus ici au Québec, au Nord, des accidents qui se passent à la maison, les fins de semaine. Les gens veulent faire plus de travail à la maison. Ça coûte cher, la main-d'œuvre ici au Canada et au Québec. Donc, les gens veulent faire réparer leur patio à la maison. Ils veulent faire les travaux à la maison eux-mêmes. Ils vont louer une machine, une table assise ou une scie ronde, puis ils vont faire des accidents. Donc, on voit plus d'accidents les fins de semaine. Donc, on a fait une étude il y a quelques années qu'on a publiée dans le journal de l'Europe. On a fait que la plupart des accidents et des amputations sont causés à la maison et non plus au travail. On les appelait les bricoleurs de la fin de semaine ou les bricoleurs du dimanche. On avait, la majorité, c'était des hommes, 85%. Et la majorité des patients, 70%, ont rapporté que la garde de sécurité sur la machine a été enlevée. On sait que les machines sont sécuritaires, mais les gens veulent faire aller vite et veulent se dépêcher. Ils enlèvent les gardes de sécurité et voilà l'accident qui arrive. Et on sait que la majorité, 71%, avaient plus de 10 ans d'expérience avec la machine. Donc, ce n'est pas des amateurs, c'est des gens qui sont habitués. Habituellement, quelqu'un qui veut faire des travaux chez lui, qui commence, il va faire très attention. Il va commencer, il va regarder le manuel, il va aller doucement, il va regarder le garde de sécurité. Mais les gens qui sont habitués, ils vont enlever le garde de sécurité, ils vont prendre une ou deux ou trois bières, ils vont être déconcentrés, ils vont aller vite, et voilà l'accident qui arrive. Donc, parmi les outils qui causent le plus d'accidents à la maison, on retrouve, pour donner des traumatismes complexes et sévères de la main, avec des amputations, on retrouve ici au Québec la fondeuse à bois, le banc de scie et les souffleuses à neige. Donc, selon les saisons au Québec, donc pour les gens qui sont au Liban, ils vont mieux comprendre, on n'a pas ça au Liban ou au Moyen-Orient. Donc, mais ici au Québec, c'est caractéristique. Le printemps arrive et l'automne aussi, les gens vont couper le bois pour préparer pour l'hiver. Et voilà les accidents à chaque fin de semaine avec les fendeuses à bois. Les souffleuses à neige, c'est connu ici au Québec. Quand les neiges, la première bordée de neige commence, les gens vont enlever leur neige et ils vont se couper les doigts, écraser les doigts avec la souffleuse. Les bandes scie, les scies circulaires, les scies à onglets, ces différentes machines de scie qui vont couper le bois, c'est utilisé surtout en été, au printemps, à l'automne, quand il fait beau, il n'y a pas de neige. Les gens vont faire la rénovation avec ça à la maison. Donc, ces types d'appareils sont aujourd'hui la cause de la majorité des cas de traumatisme sévère et d'amputation de doigts, de mains et de bras ici au Québec. On sait qu'avec la bande scie, donc les gens, la majeure partie du temps, ils enlèvent le garde de sécurité. Donc, j'insiste là-dessus que les machines sont sécuritaires. Il ne faut pas dénigrer les usines et les machines. Les machines sont sécuritaires. Le problème, c'est toujours l'erreur humaine. Les gens vont enlever la garde de sécurité et voilà l'accident. Et on sait que la majorité ont reporté lors de l'accident d'avoir utilisé des petites pièces à couper et les doigts étaient proches de la lame et ça a coupé les doigts. Pour les scies circulaires, il y a toujours, lors de l'accident, il y a toujours une position qui était, ils étaient mal positionnés et il y a eu un kickback du morceau de bois et voilà l'accident. Aux fendeuses à bois, on sait qu'au Québec ici et au Canada, ils se mettent à deux pour couper le bois. Un pour enclencher la machine, et l'autre pour mettre la bûche sur la machine. Et parfois, ce moment de coordination où les gens vont se parler ensemble, ils vont prendre une bière, celui qui enclenche la machine, il ne va pas faire attention que l'autre avait encore ses doigts sur la bûche avant d'enlever sa main, avant d'enclencher la machine, et voilà l'accident qui arrive. Donc, c'est le manque de coordination avec les fendeuses à bois où l'accident arrive. On sait aussi avec les fendeuses à bois, pour les gens qui sont au Liban, donc, Ça écrase et ça coupe. Ce n'est pas juste couper, ça écrase le doigt et ça le coupe après. Les amputations, ça peut être des amputations de doigts, un seul doigt, plusieurs doigts. Ça peut être une main aussi complète. Ça peut être aussi un bras complet qui est arraché ou coupé aussi. Donc, les accidents varient selon l'endroit où c'était coupé. Il est certain dans les cas d'amputation que le temps est effectivement compté après une amputation. Donc, si on a un gros morceau, ça veut dire un bras complet, il faut faire très, très vite. On a juste 4 heures avant de la remettre en place. Pourquoi? Parce que le bras est le plus proximal à ça, il y a des muscles. Et les muscles, c'est de la viande rouge, ça tolère mal l'interruption de la circulation sanguine et le sang. Donc, un bras coupé, on a 4 heures. Des doigts, ils n'ont pas de muscles, il y a juste des tendons.
ça peut tolérer jusqu'à 8 à 10 heures avant de les réimplanter ou de les remettre en place. Donc, d'où l'urgence, selon le morceau coupé, pour aller à l'hôpital et se faire réparer. On sait qu'au CHUM, moi, pendant 3 ans, j'étais directeur médical du CVRMU. C'est un centre d'expertise en réimplantation pour toute la province du Québec. Donc, les gens qui se font amputer un doigt, couper un bras, couper une main, couper une oreille, un nez, tout ce qui a besoin d'être remis en place ou réimplanté, ils sont transférés à un centre d'expertise où il y a 14 chirurgiens de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire réimplanter les doigts ou réimplanter le morceau qui était coupé. Donc, c'est un centre d'expertise de toute la province. Les gens se font admettre aussi parfois à Chicoutimi, s'il arrive un accident, les gens sont transférés en avion et ça va vite le transfert aussi. Donc, tout patient de 14 ans et plus est transféré au CHUM, au centre hospitalier de l'Université de Montréal pour réparer. Les autres moins que 14 ans sont transférés à l'hôpital Sainte-Justine ou au Children pour les enfants de moins 14 ans. Donc, quelques exemples. Donc, on sait que les accidents peuvent arriver, c'est vrai. Ça peut arriver au travail. Un monsieur qui s'est coincé le bras dans une machine qui fait la pâte pour la pizza. Donc, il a rentré sa main pour dégager quelque chose, là, puis ça l'a pris dans le rouleau. Il était transféré avec les pompiers qui sont allés en salle d'opération avec la grosse machine parce qu'on n'était pas capable d'enlever la machine au lieu de l'accident. Donc, ça a pris du temps. Ils l'ont mis sous anesthésie, puis on a attendu que les pompiers débloquent la machine, défont la machine complètement pour qu'on puisse dégager le bras. Et quand le bras est dégagé, la main était complètement écrasée et arrachée. Un autre monsieur aussi qui est venu récemment au Québec, il voulait travailler dans un magasin de pizza aussi. Il a mis sa main dans le truc pour faire la pâte de pizza et il a creusé ses 4 doigts, 5 doigts de la main. Donc, un accident de travail, ça peut arriver. Les amputations, un doigt, ça peut arriver avec les fondeuses à bois. Comme ce monsieur-là, à l'automne dernier, il voulait couper les bois. Donc, il a utilisé une fondeuse à bois et il s'est fait arracher complètement le pouce. Puis, on sait que le pouce, c'est quelque chose de très important. Le pouce, c'est utilisé pour l'opposition et pour mettre les deux doigts ensemble. Donc, attacher une chemise, un bouton, prendre quelque chose avec la pince. Donc, le pouce est très important pour la pince. Donc, on se bat à la salle d'opération pour le mettre en place. Voici le monsieur, le lendemain de la chirurgie, avec son bandage. Il était bien content que son pouce est là. Il est bien coloré et a été remis en place. Voici un autre monsieur aussi, où il voulait aussi couper le bois. Il avait arraché son pouce aussi et il a arraché aussi le tendon, le filet blanc là, c'est le tendon qui fait bouger le doigt. On l'a ramené en salle d'opération et on a réimplanté son pouce. Voici un court vidéo comment le patient est content d'avoir eu la chirurgie et d'avoir la pince à 2 mois de la chirurgie pour qu'il puisse continuer à être fonctionnel au bout de sa main. Parfait. Fermé comme ça. Le troisième. Le majeur. Parfait. Très bien. Montre-moi comment tu fais. Donc, parfois, des patients utilisent la bantie pour faire la rénovation et se coupent la main complètement. Probablement par manque d'inattention, parfois parce qu'ils ont pris de l'alcool aussi. Donc, remettre ces bouts de doigts en place et ces bouts de bras en place et de reconnecter le tout, ça prend de la microchirurgie, ça prend de l'expertise en microchirurgie, ça prend un entraînement sur-spécialisé parce que toute la réparation se fait sous microscope, des petites artères, les nerfs et toutes les structures pour remettre tout ça en place et que ça puisse survivre encore le doigt. Donc, ça prend toujours une équipe spécialisée pour faire cela. Parfois, les doigts sont tellement écrasés, maganés qu'on ne peut rien faire et on va jeter à la poubelle malheureusement et refermer la plaie et le monsieur a perdu sa main. Donc, c'est sûr qu'une fois que la chirurgie est terminée, ça débute une étape cruciale et exigeante, celle de la réadaptation. Donc, ce n'est plus un défi pour nous de réattacher les doigts par microchirurgie. On est des experts, mais le but, le défi, c'est vraiment la fonction après. C'est beau de mettre un doigt en place, mais on veut que le doigt ou la main soit fonctionnel. On veut que le monsieur revienne à son travail aussi et qu'il puisse continuer sa vie normale. Donc, ça, c'est très important pour nous. Donc, la rééducation ou la physiothérapie ou l'ergothérapie qu'on appelle la physiothérapie pour la main est très importante et elle est plus importante que la chirurgie, la rééducation. Si elle est mal faite et si le patient ne va pas à ses sessions de thérapie,
il peut perdre la fonction de sa main, même si la chirurgie était un succès de réimplantation. Donc, ça peut durer quelques mois. Un monsieur qui ampute son doigt ou qui coupe son doigt complètement ou sa main, on lui dit qu'il ne peut pas travailler avant 6 mois et ça peut aller à 1 an. Parce qu'il y aura des hauts et des bas avec la réadaptation. Il peut avoir des déficits, des plateaux, mais on ne lâchera jamais avec lui jusqu'à son réintégration sociale et le retour au travail. Il est certain que depuis quelques années, je travaille avec l'équipe à prévenir ces accidents-là. On a passé à Radio-Canada avec des articles pour parler de tous les accidents durant les fêtes, les coupures au niveau de la main et tout. Mais aussi, dernièrement, un de nos patients, un monsieur qui est menuisier d'expérience, puis il l'avait raconté aussi à TVA et à Journal de Montréal. Il a dit que j'ai 25 ans d'expérience et je ne croyais pas que ça aurait pu m'arriver. J'ai toujours fait attention et ça m'est arrivé. Donc, l'accident peut arriver, il faut être concentré, il ne faut pas faire vite, il faut garder le garde de sécurité là-dessus sur la machine et être vraiment bien, pas fatigué, vraiment bien alerte. Donc, les conséquences on avait parlé de ça, que quand la rénovation mène à l'amputation, oui, ça mène au cauchemar aussi, parce que ce monsieur-là, il n'est plus capable de faire son travail de menuiser, malheureusement. Même s'il a coupé 3 doigts, il y a 2 qui ont été remis en place, mais quand même, il ne sera pas capable de faire son travail initial, malheureusement. Donc, encore une fois, avec Radio-Canada, on a fait des campagnes de publicité aussi pour prévenir les gens. Même dernièrement, on a fait cette vidéo-là, je vous laisse écouter. Vous avez des projets de rénovation? Vous êtes du genre castor bricoleur? Avant de laisser votre main, écoutez bien ceci. À chaque année, l'histoire se répète. Il y a beaucoup trop de doigts blessés ou amputés par l'utilisation non sécuritaire d'outils de coupe comme les bandes scie, les scies à onglets et les scies circulaires. Ces outils-là, s'ils sont bien utilisés, ils sont sécuritaires. Voici quelques consignes à respecter. Assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Restez concentré sans aucune distraction. Assurez-vous que les gardes de sécurité sur l'outil sont bien en place et bien fonctionnels. Toujours gardez vos doigts et vos mains loin de la lame. Toujours gardez vos mains et vos doigts loin de la lame. Toujours gardez vos mains et vos doigts loin de la lame. Je n'ai pas besoin de dire de garder les doigts à l'écart. On a déjà dit que les doigts à l'écart, c'est ça. Pour les très petites pièces à couper, tenez-les s'il vous plaît à l'aide de pinces et tours. C'est le truc, là, un genre de machine que tu tiens la pince, puis tu tiens le morceau de bois et tu vas aller. C'est comme une pince en métal. C'est mieux. Toujours couper en ligne droite. Et si la lame se coince pendant la coupe, arrêtez immédiatement. Éteignez l'outil. Attendez que la lame se soit immobilisée. Dégagez la pièce qui était coincée. Lorsque l'accident arrive, il faut garder le calme. Appuyez à l'aide pour que quelqu'un vienne vous assister. Vous allez mettre un pansement compressif avec une lingette propre. Et si jamais il y a des doigts amputés ou coupés, il faut les chercher, les mettre dans une lingette propre, humide, mettre le tout dans un sac et vous mettez le sac dans un bocal rempli d'eau et de glace. Et vous vous dirigez à l'hôpital proche de chez vous. Une fois que vous êtes stabilisé, on pourra vous aider à rétablir la fonction et l'anatomie de votre main. Finalement, pas besoin d'être un professionnel, mais gardez vos doigts loin des lames et rénovez prudemment. Donc, après un accident, c'est encore possible de jouer au piano. Beethoven était sourd. Après un accident, c'est encore possible de tenir la vanne entre ses mains. Ça, c'est un militaire qui a perdu des doigts avec une mine au Canada et qui a eu des transferts d'orteils au niveau de la main. C'est encore possible, après un accident, de gagner la partie. C'est encore possible de travailler ensemble. C'est encore possible de surmonter les obstacles après un accident, mais c'est sûr qu'il faut faire très attention. Voilà, merci. Et j'attends vos questions. Jacqueline Abla. Oui, donc, merci, docteur Boumerain. On laisse la parole aux personnes qui ont des questions à poser. C'est possible, vous levez la main. Abla. Madame Abla. Oui. Vous pouvez poser votre question. Voilà. Bonjour, docteur. Si on a des canal carpien qui est en mauvais état et on n'arrive plus à utiliser ses mains,
C'est opérable par vous, ça? C'est opérable par moi, oui. C'est une petite chirurgie sous anesthésie locale. Ah bon? Oui. Ah. Alors, il faut vous contacter et prendre rendez-vous. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Mary, Madame Mary, vous avez une question? Vous allez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr. Mary, pour votre présentation. C'était très intéressant. Mais moi, je voudrais vous poser une question en tant que femme à la maison qui coupe du persil, du fromage, des concombres, etc., des choses toutes simples. Si jamais il nous arrive en coupant de nous couper le doigt, qu'est-ce qu'on doit faire? Et que le doigt est encore rattaché, il n'est pas détaché complètement. Si, disons qu'on s'est coupé le doigt vers le milieu du doigt, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lever le doigt, on doit baisser, on doit le mettre sous l'eau froide, dans les glaçons, juste le temps d'arriver à l'hôpital. Ça veut dire les premiers soins avant d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très bonne question. Merci pour votre commentaire. Très bonne question. Donc, c'est sûr que quand il arrive un accident et ça commence à saigner, il faut prendre une lingette propre, sèche, et faire la compression sur le doigt. Okay. Il faut arrêter le sang au début. Dans le temps, quand j'étais jeune au Liban, quand on tombait et il y avait du sang, ma mère me donnait le bain, elle mettait le café là-dessus pour arrêter le sang. Mais c'est sûr que ça salissait trop la plaie. Ce qu'il faut faire, il faut arrêter le saignement. Donc, vous prenez une lingette propre ou un pansement propre ou une compresse propre et vous pesez sur le doigt pour arrêter le saignement. Et une fois que le saignement est arrêté, vous regardez le doigt de quoi il a l'air. Si la plaie est très profonde et vous voyez qu'elle a besoin de points de suture, vous allez à l'hôpital. Si parfois vous coupez juste le bout du doigt à la fin et ce n'est pas très profond et vous avez pesé là-dessus et comprimé là-dessus pendant une dizaine de minutes et ça arrête de saigner, parfois il y a de la colle que vous pouvez utiliser pour mettre ça à la main, au niveau de la main. Et sinon, vous allez à l'hôpital. Donc, ça dépend. Au début, il faut comprimer pour arrêter le saignement. OK. Merci beaucoup, docteur. Plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question ou bien je pose la mienne? Est-ce que je peux me présenter? Oui, allez-y. Oui, madame. Bonjour. Je m'appelle Anne-Marie Risco. Merci pour cette séance très informative. J'ai eu l'invitation de Jackie et je suis très reconnaissante. Docteur, j'ai bien aimé ce que vous avez souligné au sujet des couteaux. Mon mari souvent me dit « Ah, tu sais, ce couteau, il est pas mal tranchant. » J'ai dit « Oui, mais un couteau plat, c'est beaucoup plus dangereux. » Et c'est pas pour comme souligner une marque ou l'autre, mais je préfère toujours être rassurée que c'est un couteau d'une bonne qualité, bien aiguisé et habituellement… Les couteaux qui ont une... Et voilà. Et l'autre dame parlait de couper du persil. Moi, dans la cuisine aussi, je me trouve souvent à cuisiner et je trouve qu'avec les robots culinaires, ça aide beaucoup. Un, pour éviter le contact direct avec la lame. Et cela protège nos mains et les gants aussi. Moi, je les utilise, un pour côté d'hygiène et l'autre pour éviter, si parfois, même si c'est une toute petite lésion, mais ça peut aider à éviter des conséquences plus majeures. Alors, merci encore une fois, docteur. C'était très bon point. Donc, c'est des points qu'on faut faire attention. Ce que vous avez mentionné est très important. C'est des petites choses. Je dois mentionner aussi, dans le temps, on avait les hachoirs à viande qui étaient mécaniques. On les a ici dans certaines communautés juives. On les voit aussi dans les fêtes juives aussi. On voit où ils mettent leurs mains pour dégager un peu la viande dans le hachoir. Puis les patients viennent avec le hachoir. Donc, il faut mettre les gants. Gardez vos doigts loin où ils doivent pas être. Donc, il faut garder les doigts loin où il faut... Regardez, je suis en train de juste écraser des citrons et je porte des gants. Pas parce que c'est dangereux, les citrons, mais juste pour côté d'hygiène.
avec un bon couteau tranchant. Oui, oui. Moi, je propose les Henkels. Je fais pas, c'est pas une publicité, mais ça fait plus que 35 ans que je suis mariée et j'ai jamais eu de problème avec ces couteaux. OK. Non, mais encore une fois, c'était très informatif. C'est très apprécié. Et j'espère au plaisir de qu'on pourrait de nouveau se revoir en temps de normalité après qu'on passe par cette pandémie. Avec plaisir. Merci. Madame Maïssa? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais, je ne sais pas si vous avez parlé, merci d'abord d'avoir donné une belle conférence comme ça, très intéressante d'ailleurs. Je voulais savoir, j'imagine que ça dépend des dommages qui ont été faits à la main, mettons une amputation, ça peut dépendre comment ça a été broyé, ça n'a pas été broyé, ça a juste été coupé. Mais mettons une amputation de la main, ça prendrait combien de temps sur la salle d'op pour tout rattacher de manière à ce que ce soit relativement fonctionnel par la suite? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de combien de temps vous mettez pour remettre tout en fonction, quoi? Très bonne question, Maïssa. Merci. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails parce que c'était une présentation au grand public, mais c'est une question très pertinente. Normalement, un doigt normal amputé, ça prend entre 3 à 4 heures à le remettre en place si tout va bien, s'il n'y a pas d'écrasement et s'il ne faut pas faire d'autres chirurgies. Donc, si on a, disons, si un monsieur arrive le soir, normalement, les gens arrivent le soir à l'hôpital, on opère toujours la nuit. Un monsieur qui arrive avec 3 doigts amputés, ça va nous prendre autour de 12 heures à 15 heures à les mettre en place. Donc, ça prend du temps. Et une main amputée au niveau du poignet. Donc, les doigts sont très bien, mais c'est juste au niveau du poignet que c'est amputé. C'est plus facile parce que les structures sont plus grosses, les vaisseaux sont plus gros pour le sang. Donc, ça prend entre 4 à 6 heures à la remettre en place. Un bras amputé, ça prend une fixation et ça prend tout et on va très vite parce qu'on a juste 4 heures. Donc, il faut le faire en dedans de 4 heures. Donc, les doigts, c'est quelque chose de petit. Et plus le doigt, plus la coupure est distale, donc loin vers l'ongle du doigt, plus c'est difficile parce que les vaisseaux deviennent plus petits. Et ça devient encore plus challenging si c'est écrasé aussi. Donc, plus le doigt est coupé à la base, plus c'est facile. Une main, c'est plus facile. C'est un gros morceau, c'est plus facile. Un doigt qui est un peu plus distal, donc plus proche vers l'ongle, c'est plus difficile. Mais voilà un peu une idée des heures d'ouvrage. Merci beaucoup, docteur. Docteur Boumeraï, moi j'ai une question. C'est très simple, c'est pas très chirurgical ce que mon sujet va aborder. C'est le côté ergonomique. Pour ceux qui travaillent beaucoup à l'ordinateur, est-ce que c'est vrai qu'il faut dès l'enfance essayer d'utiliser la main gauche aussi? Est-ce que ça influence plus tard les accidents potentiels et les risques? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, mon conseil à vous, de ne pas utiliser toujours la même main dans les travaux manuels. Les travaux répétitifs, ce n'est pas bon. Donc, essayez de ne pas forcer avec la main non plus. On sait que chez les femmes, vers l'âge de 40, 50, 60, ça commence l'arthrose à la base du pouce. Ah, oui. Ça fait mal. Donc, évitez de forcer en ouvrant des choses. Je sais que parfois, vous êtes fort, vous voulez faire vite, vous voulez cuisiner. Ne forcez pas avec la main. Essayez d'alterner les mouvements au niveau des mains et ne forcez pas. Donc, évitez les mouvements répétitifs. Ça aide pour le tunnel carpien, ça aide pour les arthroses, ça aide pour tout. Donc, les mains, je dis toujours à mes patients que les mains sont faites pour dire au revoir, pour saluer, pour toucher, pour regarder, mais pas pour forcer, maganer, travailler trop, des travaux répétitifs. Donc, il faut vraiment bien les protéger. Merci, docteur. Madame Zarife, Afaf, vous pouvez poser votre question. Il faut ouvrir votre micro, par contre. Voilà. Vous m'entendez? Ça coupe un peu, parlez doucement. Oui, allô. On t'entend. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'on ne m'entend pas. On vous entend, madame. On m'entend pas. Regarde, qu'est-ce qu'ils disent ici? Bon, je n'arrive pas. Et... Pourtant, on dit rien, non?
Allô? Est-ce qu'on m'entend? Madame Zarif, on vous entend. Ils sont sur mute. Non, ils devraient. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Oui, allez-y avec votre question, Madame Zarif. J'ai quand même posé ma question. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour, docteur. Je voudrais savoir, est-ce que suite à de l'arthrose, est-ce qu'on a une déformation des doigts? Donc, très, très douloureux. Y a-t-il possibilité de soulager par chirurgie? Effectivement. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je vous entends, madame. Bonjour. Donc, oui. Donc. Moi, je ne sais pas. J'appuie sur moi, tu crois? Donc, madame Zarifé, je ne voulais pas. Tu passes en mieux, là. Tu passes en mieux. Non, parce que je refais quoi, là? Peut-être la mettre sur. Marianne, la mettre sur mute à madame Zarifé pour répondre. Donc, il est certain que l'arthrose fait des déformations et fait de la douleur. Quand l'arthrose fait de la déformation sans douleur... Et ça, c'est quoi, ça? Les zones qui étaient plus parties, c'est partagé. Allô? Donc... Fadal, docteur, fadal. Donc, l'arthrose fait de la déformation et de la douleur. Quand l'arthrose fait de la déformation sans douleur, il ne faut pas opérer parce que ça fait pas mal. Quand l'arthrose fait la douleur, même sans déformation, et quand la douleur n'est pas supportable à tous les jours, il faut opérer. L'arthrose, c'est la dégénération mécanique des articulations. Donc, quand ça devient douloureux à tous les jours et non fonctionnel, parce que ça fait mal à chaque fois qu'on ouvre une porte, on ouvre une jarre, puis il faut opérer. Ce qu'on fait, on soude les articulations. Ça veut dire que l'articulation ne va plus bouger, elle va être soudée, comme ça, elle ne va plus faire mal, et elle ne va plus bouger plus. Donc, ça diminue la mobilité, mais ça enlève la douleur. Donc, la chirurgie pour l'arthrose, c'est le dernier recours si on n'est plus capable de vivre avec la douleur. Merci, docteur. Merci. On est mute. Est-ce qu'on a d'autres questions? Hein? Mesdames et messieurs? Mais si je n'ai pas mute. Merci beaucoup, madame. Madame Mary Cantemira, allez-y, ouvrez votre micro. Oui, pas le plus. Encore son mute. Excusez-moi, docteur, mais on profite de votre présence pour vous poser des questions aujourd'hui. Avec l'âge, la main faiblit, les doigts deviennent moins mobiles et par conséquent, les accidents plus fréquents. Est-ce que vous avez des exercices que vous pouvez nous proposer pour rendre la main plus ferme, plus forte et par conséquent, les accidents, surtout avec les couteaux, moins fréquents? De très bonnes questions. Il n'y a pas d'exercice vraiment pour la main. Donc, ça dépend de la condition générale. C'est sûr que moi, je vous encourage à faire des marches, à faire de l'exercice, à rester en santé, à ne pas fumer, à manger bien et à vivre vraiment bien parce que la santé des mains suit la santé générale, c'est certain. Mais il n'y a pas vraiment d'exercice à faire. Nous, on ne recommande pas de faire des mouvements répétitifs dans la main. Ça use les articulations. Donc, il n'y a pas vraiment d'exercice à faire pour garder la mobilité sur la main. La santé de la main suit la santé générale de la personne. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On va procéder à la clôture de cette activité pour aujourd'hui. Moi, de ma part, comme vice-présidente du CELQ, je remercie tout le monde. Et je suis très désolée pour les trucs techniques du début. Docteur Boumera, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avant qu'on fasse la clôture avec notre présidente, Madame Jacqueline? Non, je vous remercie de l'écoute. C'était un plaisir pour moi. Donc, quand Jackie m'a approché au début,
J'étais un peu hésitant parce que j'ai beaucoup de travail, donc mon temps est très limité, mais c'était un plaisir pour moi. Je remercie Madame la Présidente, la Vice-Présidente et Jackie Aboushahla de m'avoir invité et de me laisser la chance de présenter pour vous. Merci beaucoup. Eh bien, donc, merci, un grand merci, Docteur Boumeri, de nous avoir éclairé sur tous ces dangers qui guettent nos mains si précieuses. Pour ma part, je ne coupe pas du bois, mais je fais beaucoup de taboulés. Donc, dorénavant, je choisirai le bon couteau à chaque fois que je devrais hacher mes légumes. J'espère quand même qu'on vous retrouvera dans les années à venir pour d'autres conférences, parce que c'était passionnant avec vous. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une conférence littéraire, celle-là, le 15 mai. On va voguer en Méditerranée avec l'auteur Karim Tabet pour son dernier roman. Il viendra nous en parler donc samedi prochain à 11h du matin pour avoir le temps d'avoir les Libanais puisque M. Tabet sera au Liban. Docteur Boumeri, un grand merci encore une fois et à bientôt, j'espère. À la prochaine. À bientôt, avec plaisir. Bye bye. Au revoir tout le monde.